Donc dans la vidéo précédente, on a fait cette petite démonstration un peu calculatoire pour connaître l'évolution temporelle du nombre de noyaux radioactifs, et on a montré que le nombre de noyaux radioactifs évolue en fonction du temps de la façon suivante, donc N de t, t est tout simplement égal à N0, c'est-à-dire le nombre à l'instant initial, fois exponentielle de moins lambda t. Donc, t, c'est la variable, c'est le temps, et lambda, c'est une constante. Donc, je le remets ici, lambda, on appelle ça la constante de désintégration. Et donc, elle s'exprime en seconde moins 1. Alors, maintenant, on va voir comment on peut relier cette constante de désintégration à une donnée caractéristique, une grandeur caractéristique qu'on a vue avant, c'est la demi-vie. Donc, la demi-vie. On note souvent T1 demi, je redonne sa définition, c'est la durée nécessaire pour que la moitié de la quantité initiale de noyau ait disparu. Donc ça, je peux le, transmettre, je peux le transcrire pardon, en équation très facilement. Il se trouve que N de T0, donc l'instant initial, plus T1 demi, c'est-à-dire que si j'attends exactement cette demi-vie en termes de durée, par rapport à notre instant initial, et eh bien on a divisé le nombre de noyaux par 2, c'est par définition du, de la demi-vie. Donc ça veut dire que, si je reprends l'expression ici que j'ai donnée pour n de t, n0 sur 2, c'est aussi égal à n0 exponentielle de moins lambda fois t1 demi. Donc on a là une expression qu'on peut simplifier, je vais diviser par n0 de chaque côté, ça nous donne 1 demi est égal à exponentielle de moins lambda, lambda fois T1 demi. Je vais ensuite prendre le logarithme népérien de chaque côté de cette équation, ça va nous donner ln de 1 demi, et donc égal à moins lambda T1 demi, indice 1 demi bien sûr. Et donc ça, ça implique que T1 demi, bien c'est égal à ln de 2 divisé par lambda. Donc j'encadre cette formule importante qui nous relie la demi-vie t1/2 demi, à la constante de désintégration. Donc t1/2 c'est égal à ln de 2 sur lambda. Alors on va faire un petit exemple pour montrer un peu l'utilité de, de cette formule, de ce lien entre la demi-vie et la constante de désintégration. Donc si on reprend notre fameux carbone 14, carbone radioactif, on l'a vu précédemment, t1/2 donc la demi-vie on l'a vu dans la vidéo précédente en fait, la demi-vie pour cet élément radioactif, bah, c'est 5740 ans. Alors si je te pose la question, quelle est donc la constante de désintégration pour cet élément Alors la première chose. Simple à faire, bah en fait, c'est de reprendre l'équation qu'on a écrite là-dessus, c'est-à-dire de regarder que vaut n à l'instant T1 demi, puisqu'on connaît T1 demi, et donc c'est tout simplement n0 sur 2, et remplacer dans cette équation bah, T1 demi par sa valeur pour trouver lambda. Mais comme on a trouvé la formule générale qui relie T1 demi et la constante de désintégration, ici, T1 demi égale ln de 2 sur lambda, et bien bah on peut faire directement le calcul de lambda avec cette formule. Donc c'est parti, allons-y. On a 5740, donc on est en année, est égal à ln de 2 sur lambda. Ça implique donc que lambda est égal à ln de 2 divisé par 5740 si on exprime le résultat en inverse d'année. Donc si on sort la calculatrice, on va pouvoir calculer un arrondi. Donc ln de 2, ln de 2, divisé par 5740. Ça nous donne à peu près 1,2 10-4. Donc je donne le résultat ici. Donc on est bien dans le carbone 14 et lambda vaut à peu près 1,2 10-4. Et c'est des années moins 1. Donc je vais mettre en moins 1. Donc si je veux trouver l'expression de n de t à n'importe quel instant et avoir l'application numérique directement, eh bien, je pourrais écrire donc, pour le carbone 14 que n de t eh c'est égal à n0, donc le nombre d'atomes radioactifs à l'instant initial, fois exponentielle de moins 10 moins 4 fois le temps. Donc quand je cherche n à l'instant t, quel que soit t du moment qu'il est exprimé en années, eh bien j'ai directement son expression, c'est n0, c'est-à-dire la quantité de noyaux radioactifs à l'instant initial, fois exponentielle de moins 1,210 4, fois le nombre d'années. Alors mettons par exemple qu'on parte à un instant initial avec 300 g de carbone 14. Et donc je veux connaître la quantité restante de ce carbone 14 après 2000, 2000 ans. Bon bah au vu de ce qu'on vient d'établir, c'est très simple, il suffit d'appliquer la formule. On a N de 2000 qui est égal à N0, donc je vais mettre 300 en grammes, exponentielle de moins 1,2 10-4 fois 2000. Alors, j'ai utilisé ici la masse en grammes de carbone 14, puisque de toute façon, c'est proportionnel à la quantité de matière. Donc, j'ai utilisé ici la masse. Donc, notre n, à l'instant, au bout de 2000 ans, et eh bien, c'est toujours 300 grammes, mais cette fois, fois exponentielle de... Alors, 2000 fois 1, 2, 10 4 Si on fait déjà multiplier par 2, ça fait exponentielle de moins 2. 4 et ensuite on a 10 moins 4 fois 10 puissance 3 et bien ça fait 10 puissance moins 1 donc c'est parti pour l'application numérique avec la calculatrice 300 fois exponentielle de moins 0,24 et bien ça ça nous donne à peu près 236 grammes donc n de 2000 et bien c'est à peu près égal à 236 donc, grâce à cette formule, ici, n de t égale n0 exponentielle de moins 1,2 10 puissance moins 4 fois t, eh bien on est capable de connaître à un instant quelconque, par exemple ici au bout de 2000 ans, combien de quantités radioactives il nous reste. Alors, dernier petit exemple, mais cette fois en prenant le problème un peu inverse. On a à un instant initial 400 grammes de carbone 14. Et de, on veut savoir au bout de combien de temps combien de temps pour arriver à 350 grammes Encore une fois, on va se servir de notre équation ici, n de t égale n0 exponentielle de moins 1,2 10 moins 4 t, et bien très simplement, ça va nous faire donc, 350, c'est la quantité qu'on a à l'instant T, eh bien c'est la quantité initiale, soit 400 fois exponentielle de moins 1,2 10 moins 4 fois notre inconnu, c'est-à-dire le temps. Ensuite, je vais par exemple diviser par 400 de chaque côté, donc j'ai 350 sur 400, qui est égal à exponentielle de moins 1,2 10 moins 4 fois le temps. Donc 350 divisé par 400, c'est 0,875. Donc on continue, on a 0,875 qui est égal à exponentielle de moins 1,2 10-4 fois le temps. Ensuite, on va prendre le logarithme népérien de chaque côté. Donc ça va faire ln de 0,875, qui est égal à moins 1,2 10-4 fois le temps, puisque ln de exponentielle, ça donne ce qu'il y a dans l'exponentielle. Et donc notre temps, T, eh bien c'est égal à ln de 0,875 divisé par moins 1,2 10 moins 4. C'est parti, application numérique. Donc, on prend le logarithme népérien de 0,875 que l'on divise par 1,2, donc moins 1,2 fois 10 puissance moins 4. Et bien, ça nous donne 1112 années si on fait une troncature. Donc, je vais écrire le résultat. T est donc égal à. 1112. Donc pour passer de 400 grammes de carbone 14 à 350 g de carbone 14, et eh bien il faut à peu près 1112 années. Donc en fait, tout ce qu'on a utilisé pour résoudre ces petits exemples, ces petits exercices, c'est les formules du départ. Donc ce qui est important de retenir, c'est que la quantité de noyau radioactif n de t, c'est égal à n0 exponentiel moins lambda t, et que ce lambda, cette constante de t d'intégration, son lien avec le temps de demi-vie, la durée de la demi-vie, c'est t1 demi, égal ln de 2 sur lambda.